Oui, allô, est-ce qu'on m'entend bien ou bof? Oui, alors, le stream commence et voilà. Donc, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de Cheddar, on va continuer. Cette image, je l'ai trouvée sur le serveur du créateur de Cheddar, donc c'est vraiment la meilleure image de début de stream que je trouvais pouvoir trouver, ça. Parce que je trouve que c'est juste parfait. C'est qui l'a fait d'ailleurs, cette image? C'est qui a fait l'image? C'est Bassia qui a fait cette image qui est juste fantastique. Et voilà. On va donc continuer de Cheddar aujourd'hui. On va sûrement faire tout le monde 4. Et on va essayer de le faire avant que bah avant que rien en fait. On va essayer de mettre 1 heure à le faire. Normalement, ça devrait prendre ce temps-là. Parce que jusqu'à présent, ils ont pris à peu près 1 ou 2 heures à faire les mondes. Donc ça devrait être à peu près dans ces eaux-là, genre 1h30. Donc on va lancer le jeu. Mais avant ça, j'avais un truc que j'ai trouvé. Que je trouve qui est juste hilarant. Je sais même pas si je peux me faire strike pour montrer ça. Mais je suis tombé. Parce qu'en fait, je cherche des musiques à la con que je pourrais mettre pour les débuts de stream. Et une que j'ai trouvée. Et là, j'allais chercher Mario Serbe. Je suis tombé sur ça. Et je pense que ça mérite d'être vu. Voilà, je suis tombé sur ça. J'ai aucune putain d'idée de ce que c'est. Ça marche ou non? Ah, j'ai pas activé. Je suis tombé sur ça, j'ai aucune putain d'idée de ce que c'est. C'est le nom de la vidéo, c'est littéralement Super Mario Intro Serbian Zmija par Just May. Mais je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas quelle est cette horreur. Mais ça envoie déjà du truc. Surtout qu'en plus, pourquoi Wario, quoi? L'intro serbe de Mario. C'est quoi cette horreur? Mais qui a fait ça? Et c'est littéralement Bob l'éponge. Mais par contre, je vais me faire strike parce que Bob l'éponge, il déconne pas avec le copyright. Donc on ira regarder ça une autre fois. Mais bordel de merde. Déjà, j'adore le Mario en semi-transparence. Ça, déjà, ça envoie de la qualité pour commencer. Ça envoie de la qualité, le Mario en semi-transparence. Le pire, c'est que c'est à moitié compétent. Le pire, c'est que c'est à moitié compétent. C'est ça le problème. El loop. Er loopo. C'est à moitié compétent, c'est ça le problème. Et là, l'étoile est en violet, je sais pas pourquoi. Par contre, là, ça déconne pas avec le copyright, je pense que je vais me faire strike. Par contre, je suis déçu, je pensais qu'ils allaient faire les paroles. Et ça, c'est la grosse déception qu'il n'y ait pas les paroles et que ce soit juste des images random. Et ça fatigue comment après. Pourquoi il y a des statiques? Ah, d'accord, il a plus rien eu à foutre, le mec, il a pas fait de transition, il a juste fait. Entre chaque image, ok, il en a rien eu à foutre. Le ratio, putain. Putain. Ça, par contre, c'est bien fait. Sur Mario Maker, sur... Mais c'est son intro. Non, mais c'est mal... Non mais putain, le truc où il a juste le texte Super Marpno. J'ai aucune idée de quand ça se prononce. Tu veux pas te faire strike, au pire le son sera coupé le moment où il y a la musique. Ouais, non mais le problème c'est que bah, j'ai pas envie que le son soit coupé quoi. C'est ça que je veux dire par me faire strike. À chaque fois que je dis me faire strike, c'est ça en fait. Parce que j'ai pas envie que le son soit coupé, alors c'est juste magnifique. Bon, on va aller sur Cheddar maintenant parce que c'était donc les aventures. C'était donc les aventures de Bob l'éponge en serbe, mais sans parole. Ce qui est très la déception, moi je m'attendais à ce que ça parle. On voulait tous que ça parle. Alors, hop. Ah merde, j'ai joué en fenêtré. J'ai lancé la mauvaise sauvegarde. Ah d'accord, quand tu fais quit, ça quitte tout le jeu, tu retournes pas à la section de sauvegarde. Ah d'accord. Bon, 2 secondes, et là je rouvre. Ça. Un strike, c'est ta chaîne qui vire. Je sais, mais moi je parlais aussi du fait que j'ai pas envie de me bouffer un copyright. Parce que j'ai pas envie de me faire censurer la musique. Parce que c'est juste magistral, ça. Kings. Ouais, c'est bon.
Et mais le jeu, oui, je lance le jeu. Attends, c'est juste que je mettais les bons paramètres. Voilà. Et alors, je suis dans le jeu là. Hop, avant. Play, on va continuer. On était à Shareware City. Ça, par contre, Shareware City, c'est un monde que j'aime bien. Je trouve qu'il est cool visuellement et tout ça. Plus j'aime beaucoup la barre de tâches Windows en bas pour le pour tout ça. Par contre, j'ai découvert un truc entre deux streams. J'ai découvert un truc et là, j'ai pas de chat ouvert. Je suis un gland. Ouais, elle est là. Oui, alors, j'ai découvert un truc en fait. Si tu retournes au début, t'es pas obligé de farm les power-up à chaque fois que tu meurs et que tu as besoin, que t'as besoin pour un niveau. Parce qu'en fait, un truc que j'ai jamais remarqué, parce que je suis jamais retourné là et que c'est pas documenté nulle part, t'as un shop! T'as littéralement un shop! Donc, et ça coûte combien? Mais c'est pas cher du tout en plus les power-up. En fait, il y a un shop depuis le début. No L knife, I didn't find it yet. Non mais voilà quoi. Je suis tombé dessus par hasard quoi. Building Panic. Ça, je connais pas ce jeu par contre. Par contre, la musique est trop bien. Ah oh, putain, il y a des boules de feu. Ça fait du fromage. Cheese. Ok, ça tombe. Hello, skateboarder. What are you doing here? Sorry. I'm dead. Ah, je crois, je l'ai la ref. Inside. My job is done here then. Oui, j'ai la ref, c'était Stan Skate et Laser Ice Cream, le créateur, il avait fait une parodie Satan Skate. Ah, fais chier! Eh, génial cette musique. Mais l'OST du jeu est excellente. Je le dis à chaque stream, mais elle est juste trop bien. Ah, fait chier. Pointé. Ouh, couteau. Et quelques fausses notes malheureusement. Ah bon? Les fausses notes dans la musique? Oh merde. Oh merde. Oh fuck. Comment je fais en fait là? Est-ce que je peux pas dash? Là je suis coincé. Faut que je tombe? Oh non, je me suis softlock. Putain, je le savais. Bon bah, premier softlock de la soirée. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Badabam-bam-bam. Je suis encore softlock. Ah, péché. Comment on fait là déjà? J'ai oublié. You did it again! Just... Ah!
Ah, fais chier, j'ai compris comment on fait. Ah merde, ça écrase le... Oh, fais chier. Là, je suis juste nul. J'avais oublié que les mixtapes, comment on dit déjà. Que les mixtapes, c'était comme les coupas rouges qui sortent jamais du coup. Ouh. Yes. Ça, c'est bien parti. Ah, ouh. Nique ta mère. Oui. Bah attends, faut que je recule, il y a la saucisse. Yes. Il est tendu ce niveau, mais je l'aime bien. Fais chier, j'ai plus H, je suis con. Je sais pas si j'ai eu la disquette, non, je crois pas. J'ai juste eu les saucisses. Oh merde. Ah. Ouh. Ah, fais chier. Oh non. Oh putain. Ok, c'est beaucoup moins tendu que ce que ça en a l'air en fait. The illusion of difficulty is often using good game design. Oh, fishy. Oh putain, juste avant le checkpoint, en plus je suis mort. Couteau. Ah merde. Yes. Ça par contre c'est bien. Ah, fais chier. Ah, oh, l'enculé. Par contre j'ai eu fronton. Ah ah. Yes, voilà. C'est pas un niveau super dur, mais c'est un niveau que j'aime bien. Ah. Et quel power-up celui-là déjà? Pas la hache, non, c'est juste une canette normale. Ah, péché, j'oublie toujours que c'est le fromage. Ah merde, mais j'aurais pas dû la manger. Ah merde, j'aurais pas dû manger la disquette. Pas la disquette, le CD, la mixtape. Ah, ah putain. Ah, la connerie. Là par contre je suis juste nul. Les frères marteaux, qu'est-ce qu'ils sont durs dans ce jeu. Ils s'appellent comment de... Bah en fait parce qu'un truc... Bah oui attends, ils s'appellent comment, je peux aller voir ça après quand le niveau est fini. Vu qu'en fait dans le jeu il y a un bestiaire. Un bestiaire très long et très complet de tous les ennemis et power-up du jeu. Et ça c'est bien. Ah nique ta mère. Merde. J'aurais pas dû. Contre il en reste un en dessous. Je peux aller le voir lui. Ouais. Partons, frottons. Fromage. Merci. Ah ah. Professionals are standards. Bah maintenant je me ferai pas niquer. Tout le temps du piment, ça c'est bien. Ta mère, en fait y'a rien là. Ouh. Ouh. Mais c'est quoi cet enfer? Oh. You can do that in Border Don't Stretch Infinitely. Jeez.
Come here, boy. Là. Oh. Ou alors ils ont patch. Non, ils ont patch, je crois. Ça me parle de la vitesse. Ah, par... Oh putain, j'ai perdu mon couteau pour ça. Déjà, vous voyez la mixtape. Up the second one. Non. Putain, mais en plus c'est vraiment que de la merde, c'est que bloc. Ah, oh, péché, il m'a snipe. Putain, mais c'était quoi ce saut d'enculé? Et là, c'est entièrement de ma faute. Parce que le bouton, il faut le réappuyer à chaque fois qu'on meurt. Come here. Putain, mais je suis nul. Là c'est moi. I guess not tonight. Toi tu niques ta mère. Le ice climber là. Allez, maintenant on réessaye. Ça aurait mieux se passer, je pense. Voilà. Voilà. Tout ça pour une disquette. Non mais... Oh putain, mais je suis nul. Oh. Pas grave. Qu'un couteau, ça s'achète. Voilà. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus maintenant? Non, je crois qu'en fait, ils ont vraiment patch, en fait. Non, ils ont patch. Non! Il y avait un cube. Il y avait un cube. Là. Il y avait un cube. Oh. I guess they fixed it. Ah! This level's not even that hard, it's just extremely long to have this cube. The cube. Cube! Voilà. Ah! Non! Putain, la même chose! Perfectly generic yellow square. Come here, boy. J'aime pas comment les ingénieurs là, ils sont en train toujours de sauter pour essayer de te niquer. C'est pire que les frères marteaux qui sautent aléatoirement.
plus, c'est même pas pour te niquer, c'est pour t'éviter. C'est pour survivre à tes attaques qu'ils font ça. C'est vraiment des enculés. Mais t'es pas mort, toi. Ah, fais chier. Oui. Oh putain, je sais pas quand j'ai évité. La fin. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus? Il y a un mur là. Ah oui, oui, non, c'est parce qu'il y a un mur. Bon. Ah bah c'est pour te niquer en fait qu'il y a un mur. Oui, j'ai totalement touché le... C'est des côtes, je crois. J'ai totalement touché les squelettes là et je me suis pris le coup. Mais j'ai pas pris de dégâts, c'était quelque chose. Mais c'est un niveau que j'ai beaucoup aimé. Il était pas super dur, mais il était sympathique. Oui, donc le lore book. On va aller voir comment ils s'appellent les ingénieurs et les ice climbers. Parce qu'il y a tout le bestiaire. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là. Ethernet Climber, Justin Admurk, Old Polish Meme, Hardcore Man. D'accord. Et c'est un painter de Building Panic. En fait, il vient du jeu du nom du niveau. Ghost Dancer, Castlevania 10. Dinosaur, Cable Cappers 2. Searching. D'accord, et ces connards, là, ils viennent de Starship Eleven, le jeu du niveau de merde qu'on a eu. Le niveau horrible dans l'espace. Spikies, je les aime bien, eux. Ça, c'est le 16 Gonaif, Naip. J'aime beaucoup le bestiaire, le fait qu'il y ait littéralement tous les ennemis, et tous les boss. De toute façon, moi, j'aime tous les jeux qui ont des bestiaires. Bubble Bubble Nostalgie. Ah oui, cette musique est trop bien. Ah, fais chier. C'est un enfer, c'est... Yes. Ouh. Ta mère. Ah. Comment on fait là déjà? Ah, fichier. Welcome to die. Oui. Fichier. Ça, alors. Merde. Non, par contre. Par contre, settings. Non. Plus les vibrations. Non, plus les vibrations. Vibrations, c'est de la connerie. Ah merde! Ah oh, fais chier! Ah fais chier! Ah, c'est un niveau puzzle, putain, ça va être un enfer. Ça va être un enfer, celui-là. Par contre, j'aime beaucoup les boules de feu, je trouve qu'elles sont très jolies. Vous avez fait quoi de vos journées? J'avais posé la question gentiment, mais ça se passe mal. Vous avez fait quoi de vos journées? Non, la mixtape il peut pas descendre. Il faut le garder dans... Oh, ça va être une purge.
je le purge. Et j'ai compris. Je garde dans les mains. J'active moi-même. Si je dépose. J'attends qu'il se réveille. Je reprends sans me faire buter. Et je saute dans le trou. Je cours. Et j'active. Pète. Non. Le coq. Ce coq. Le jeu a valu m'a détruit des boss super facilement et a construit des bases sur l'eau avec 10 millions de douches. Très bien. J'adore la hache. Je crois qu'il y a une solution 100 fois plus simple. Tu fais ça. Voilà. Et ensuite tu prends la mixtape une fois que t'as appuyé dessus. T'attends pas 20 ans. Fais pas à l'avance. Voilà, c'est 100 fois plus simple. Mais si, c'est simple. Ah ben ça le prend tout seul, en plus je suis con, j'ai pas besoin d'aller dessus. Et il y a le chemin là. Oh putain, je hais les aliens là. C'est pire. Je sais même pas si je vais pas louper des trucs en faisant ça. Checkpoint. Les bouts, c'est bien. Ils doivent aussi venir de Bubble Bobble Nostalgie, je pense, qu'ils ont leur gueule. La gueule du sorcier, qui remplace la Kitu, qui vient de Bubble Bobble Nostalgie. Fou. Easy. Easy. Voilà. Ça passe bien. Oh, voilà, il est là, lui. Donc, quand j'en parle... Ouh. Oh, fait chier. Checkpoint. Le saucig. Je crois qu'on peut comment la saucisse. Ou carrément, où qu'elle est, vu que j'ai aucune idée. Là par contre je très mal. Elle est là. Oh l'enculerie. Ah fait chier. C'est plus... Oh. Yes, totally is like a Mario Maker level in terms of style for the... And I... Surtout l'autre saucisse s'élève. Je me doute. Oh. Ah. Et quel enfer. Ah. Oh, fait chier trop tôt. Je déteste comment il passe d'un côté à l'autre, le Lakitu. Un peu trop tôt. Quelle horreur!
Oh mais non, je suis passé au-dessus en plus. Ah, c'était... Non ! Oh le cuck ! Non, mais il y a un checkpoint, je le sens. Tue-moi. Oh, ce cuck de l'infini ! Voilà ! Putain, j'ai loupé la 2. Oh, fait chier, il va falloir faire le niveau. Oh, fait chier. Non! Non! Ah! Oh! Oh! Bah, je me doute qu'il faut faire la saucisse, mais... Oh oui. Voilà. Hello, stupid creature. Where is the nearest exit from this place? Pray. The secret is in pain. Oh well, not my problem. Oh mon dieu. Mais c'est quand... Oh non. Oh. Mais quel enfer, cette saucisse! Oh, mais chez Fugo, nique ta mère! Oh! Oh, mais l'enfer! Oh, ils vont vite les bouts en plus! Ah! Cassez-vous! Oui! Yes! Yes! C'est ultra dur de péter le filet en sautant à l'instant où tu touches le ballon. Bon, faut refaire car j'ai loupé une saucisse. Mais maintenant que j'ai le reste, ça devrait être plus simple. Je pense que c'est au moment où il y avait l'embranchement et que je me suis niqué. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu quand même. Il est bien ce jeu. Ah fais chier, Fugo, nique ta mère. Je dois être là en fait quand je suis... Oh. C'est l'heure du décès. Alors j'ai pas compris. C'est où qu'en fait que se trouve. Oh merde, ils arrivent. Non. Fais chier. Comment on a la saucisse de cette salle.
Non, non, pas maintenant, maintenant. On doit être là, je pense. On doit être là. Je pense que c'est là. Ah, c'est là, en fait. Comment j'y vais, là, en fait? Par au-dessus? Est-ce qu'il fallait la cape? Ou un truc du genre? Ah, putain! Le truc caché de l'enfer, hein. Bon, maintenant faut juste finir le niveau. Ah non, 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 plus c'est littéralement le truc caché des enfers, c'est des pentagrammes. Ça me rappelle les cinématiques de Zelda City. Good. You killed me. Good. D'ailleurs, ça me fait penser maintenant que j'ai trouvé ce secret. J'ai vu un truc similaire plutôt. Là, il y a un truc là. J'avais vu ça tout à l'heure, mais j'étais pas allé dedans comme un gland. Ah là, par contre, j'ai totalement foiré le saut. Allez, c'était le niveau 2. On peut continuer. Bon. Nice. Bon, la pyramide. Pharaoh's curse. Oh, fais chier. Bye. Quel enfer. Oh, fais chier. J'aime bien le lézard à l'envers. C'est ça. Yeet. C'est littéralement le nom du mec. Yeet. Ah! Au début, je crois que c'est du jambon, c'est cube rouge, vu que tous les autres cubes rouges du jeu, c'est des cubes de jambon qui font glisser. J'ai bien compris ça, voilà. Ouais. Par contre, il y a aussi obligé qu'un cube, un secret. Ouais, là, ça doit être une référence que j'ai pas. Ah, oh, fais chier. Ah, faut sûrement envoyer un cube. Ah, faut envoyer un cube là. Non. Comment on a ça, ce cube rond là? Comment on a déjà ça? How the fuck do you get these sausages?
Sausig! Spin! On peut aller là ? Non, on peut pas. Ah, bon, là, c'est... Ah, je pense que je fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Con, en fait, je fais l'inverse. Je me complique la vie. Là, par contre, je me complique la vie encore plus. Ah, fais chier. Par contre, je sais pas pourquoi mon compteur de vie est passé de 5 infini à 6 infini. C'est peut-être parce que je suis mort en récupérant une vie tout à l'heure. Voilà, c'était ça en fait. Je faisais l'inverse de Peter. Je savais qu'il y avait un truc au-dessus. J'en branle de ça. C'est tout. Je vois des trucs là, mais je sais pas. Je pense que je vais me faire niquer si j'y vais. Wow. Oh, fais chier. Oh merde. Oh, fais chier. Et y'a pas de checkpoint. Niveau là, par contre, il est dur. Mais c'est pas parce qu'il y a 20 000 ennemis, c'est juste que le niveau est dur. C'est bien ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu, et même en général, c'est quand les niveaux sont durs, parce que c'est pas genre on bourre tout et que c'est insupportable. Ou parce que c'est... Mais juste parce que c'est bien pensé. Bah là, c'est un niveau bien pensé et dur. Alors 80% de Mario Maker, c'est mal pensé, car c'est juste... Eh, on met 20 000 trucs. Fais chier. Et... Mais ça, Super Meat Boy, Donkeda, Super Meat Boy, The End is Nigh, c'est bien pensé. Parce que, généralement, c'est le niveau qui est dur, pas juste c'est le bordel. Parce que quand c'est le bordel, bah c'est tout de suite moins fun parce que c'est juste je sais pas quoi regarder. Et tu sais pas ce qu'il y a. Et après il y a aussi des jeux où c'est le bordel qui peuvent être très bons. Genre Cuphead, par moment c'est le bordel, mais c'est très bien. Oh fais chier, faut jamais sauter quand t'as un cube. Quel enfer! Oh mais niquez vos mères! Oh nique! Oh! Cette caquerie! Cette caquerie putain! Thank you.
Ousmane. Oh mais quel enfer! C'est mort. Sinon, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai joué à la démo de Monster Hunter Rise, qui est très bien. Cette démo est très bien. Est très dure, mais est très bien. Fais chier! J'aime beaucoup le rajout du grappin qu'on peut faire n'importe où, ça c'est très bien. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Ce niveau est juste ultra dur, hein. Disqu'elle dirait la refaire plus tard. Je crois qu'on peut pas avoir les deux en une fois. On peut juste pas avoir les deux. Oh, mais nique ta mère, Yit! Le couteau! Un thème que j'ai remarqué dans le niveau de ce monde jusqu'à présent, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont des rails. Il y a beaucoup de niveaux avec des rails dans ce monde. Ah yes. Oh. Ah merde. Saucisse? Non! J'ai loupé! Oh, fais chier! On peut le retourner par derrière après. De toute façon, faut que je refasse le niveau, j'ai pas pris la disquette. Bambo! Un couteau, non, la cape, ça va être un enfer avec la cape.
Eh, j'aime bien l'œil. Ça me passe. Ça servait à rien. Ah si. Robot. Yes, j'adore cette voix de texte speech. Americans, the war is going to end today. Who the fuck are you calling American? You filthy machine! Where are you, my man? Serbia, bre! As soon as I am going to be king of Counter-Strike 2! My boss, the Shadow Master, sent me to tell you that, that if you continue your quest, I will have to use force and shoot my laser. I'm serious. If you don't shut the fuck up, I'm gonna put the fucking boot up through your head, you fuck! I'm not going to risk testing that statement, so I'll let you go. J'aime beaucoup les personnages qu'on trouve dans les niveaux qui ont discuté. Ont toujours des dialogues à la con. Oh, VVV! VVVV, fuck! Ça vibre, attendez, qu'est-ce que c'est qui vibre? On sait rien. Oh merde, oh mon dieu, mais... Oh, mais putain, mais c'est horrible! L'horreur. Point 4. En fait, c'est marrant parce que 400% de ce que je dis, c'est juste le nom de l'item que je récupère. Mais j'ai appuyé sur. Oui! Ah, fait chier juste avant. On va essayer de faire le goal juste à la toute fin là. De toute façon, faut que j'aille récupérer la disquette et la dernière saucisse que j'ai loupée. Comme un gland. Nice. Bon, on y retourne. Juste un truc que je vérifie et je reviens. Non, non, rien. Voilà. Je vais vérifier dans le doute. Dans le doute, il fallait vérifier. Très bien. On y retourne. On y retourne. Et non, on va pas encore faire Snoopy 1.0. Ça, juste après ça. Bon. Ah maintenant j'ai plus besoin de faire tout le merdier. Ah fait chier. Mmh. Ah fallait peut-être passer par là en fait pour avoir les deux en même temps. Oh, fait chier, j'aurais dû dash. Bon. Oh, fait chier. C'était quoi la caméra, là?
Il y a un crash sur Twitch. Il y a un crash sur Twitch maintenant. Ça crash. Ça crash Twitch. Ah, fait chier. Ah, c'est con ça. Me disait aussi que c'était vachement silencieux le chat depuis tout à l'heure, alors que c'était très... C'est quoi qui a crash en fait? Mon stream il marche encore? C'est quoi qui a crash? On voit plus rien? Y a plus rien? Comme ça, y a plus rien. Pourtant, moi, sur la prévisu de Twitch, je le vois le truc là. C'est quoi ces conneries? Y a rien qu'on voit là. Mais pourtant, moi, je vois. Qu'est-ce que c'est ces couilles? Et qu'est-ce que c'est ces merdiers? Tu penses que c'est certains serveurs de Twitch qui sont down? Donc moi je suis pas down en fait, mais toi oui, c'est quand même très spécial. Comme quoi la morale de l'histoire c'est Cheda est supérieur à Twitch. Bon. Oui, c'est marqué sur Down Detector. Ah d'accord. C'est con ça. Mais est-ce qu'on voit encore le stream là ou est-ce qu'on le voit plus du tout? Bon bah on va continuer Cheddar en fait. C'est pour ça que c'est que ça a vachement planté depuis tout à l'heure et qu'il n'y a plus rien. Moi je vois rien. Refresh la page. Et là, si je remets le BRB, on revoit là. Est-ce qu'on voit on voit à nouveau? Et si je remets le jeu? Parce que moi je vois dans la prévision de Twitch. Oui, tu m'entends, je me doute. Donc en fait, il y a tout le reste que c'est que du muet depuis tout à l'heure. Est-ce que Mardif va être complètement aveugle? Maintenant, ça fonctionne. Mais moi, ça marchait. Mais moi, ça marche depuis tout à l'heure. J'ai la prévisualisation de Twitch qui me dit, ça marche, gros. Qu'est-ce que c'est que ces couilles? Maintenant, ça fonctionne. Bon, bah, ok. Bon, bah, on y retourne. J'espère que j'ai pas niqué tout le reste du niveau, quand même. Je pense que peut-être ta rediff va fucked. Ah, oh, fais chier si c'est le cas. Ah, oh, c'est con si c'est le cas. Bah, alors, faudra que je refasse le monde 4. Ah ouais, il va falloir que je refasse le monde 4 si c'est ça. Oh, fait chier. Parce que j'ai pas envie d'avoir une VOD complètement niquée. Je re-uploaderai évidemment. On verra, évidemment. Mais quand j'ai regardé la rediff, s'il y a tout le reste qui est niqué, bah, je vais re-upload ça et appeler ça la partie encore 0. Comme j'ai pas encore re-upload un seul épisode car je suis lent. Et aussi parce que Vegas crash et que j'arrive pas à exporter le truc. Mais bon, ça, j'ai trouvé un moyen de contourner, donc ça devrait marcher. Mais... voilà quoi, ça fait chier. Ah, oh, Twitch est down. Ah, oh, fait chier. Bon bah on y retourne quand même. Ah. Oh. Ça marche une fois sur deux. Est-ce qu'on voit encore là ou est-ce qu'on voit plus du tout? C'est fluide ou est-ce que c'est mou du cul? Mais quelle horreur! Putain, c'était pas le soir pour faire du Twitch en fait. Twitch est mort ce soir. Oh l'enfer!
Oh, c'est con ça. Bon, j'irai voir à l'hard disk s'il faut que je refasse le jeu en entier. Enfin, pas le jeu en entier, mais juste que je refasse le. Je vais refaire le jeu en entier quand même. Mais juste que je vais refaire le monde 4, peut-être. Oh, fait chier. Bah putain, ça m'a désorienté ces conneries. La caméra qui a plante. Oh, fait chier. Oui. Ah, c'est con ça. Ah. Oh, l'enculerie. On peut s'accrocher à corde, non. Ah. Ah mais c'est très con ça. Je pense qu'après ce niveau je vais carrément arrêter le stream parce que là ça sert à rien. Faut que j'aille vérifier si la rediff elle est niquée ou non. Et si elle est niquée la rediff, bah dans mon cul. Et je vais donc devoir faire de la magie noire et copier-coller des trucs ensemble quand je vais faire la rediff. Ah, c'est con ça. Oh mais nique ta mère. Non mais quand j'ai fini ce niveau je vais aller devoir faire de la magie vaudou sur Vegas. C'est vraiment pas le soir à stream en fait. Mais nique ta mère le Ice Climber là. Ah, fait chier. Mais lis-moi. Oui, bah tu vas jouer à Valheim, c'est bien. Je croyais que t'étais parti en fait, que tu joues à Valheim. Ah! Et aussi, t'as rien dit depuis. Aussi, je ne vois rien d'affiché depuis que t'as dit que t'allais jouer à Valheim, donc je pensais que t'étais parti. Oui, bah, à plus. Oh la saloperie! Mmh. Oh, mais la douille! La douille intersidérale! Oh, le cuck, la cuckerie que c'est en fait. Bon bah, c'était pas le soir à stream. Je vais pas m'arrêter en plein niveau, mais dès que je l'ai fini, puis je vais arrêter. C'était de la merde. Bon bah. Je vais peut-être essayer demain. Demain après-midi, je vais peut-être stream. Pourquoi je me répète tout le temps comme un con? Just a hot water.
en fait, ça me fait chier maintenant, vu que bah déjà, il n'y a plus personne qui peut venir, vu que le stream est down. Mais c'est con. Ouais, j'ai loupé le soda. Blaming Coca-Cola. Voilà. Mais quelle horreur! Clit, git. Non, pas clit. Ah, j'ai pas réussi. Bon. Bon bah c'est con ça en fait. C'était un stream gâché, mais pas vraiment gâché pour autant. Je suis ultra négatif là parce que ça me cuck. Mais bon, j'ai pas remarqué que le fond était animé. Mais je suppose que c'est la fin du stream donc. Bon bah... La prochaine fois on recommencera. Je vais aller sauvegarder avec Tempodrome. Hey, what do you like me to do? Bon bah on va refaire la prochaine fois. C'était le stream, on applaudit bien fort.